are very, very, very strong this morning. Je suis très fort ce matin. Let us stand up. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you honor. We worship and we adore you this morning. And we rejoice. Et nous réjouissons. In the knowledge that we are your people. Dans la connaissance que nous avons de toi. And your great love. Et ton grand amour. Your great love for us in Christ. Ton immense amour pour nous en Christ. Is being made fully manifest. Et cela est complètement manifesté. Lord, we desire. Seigneur, nous désirons to drink of the river of your pleasure. Désirons boire à la source de la rivière de votre plaisir. Let your word come to one and to all. Que ta parole descende sur chacun de nous. To the young. And to the old. Let there be a portion for everyone. Qu'il y ait une part pour chaque personne. Anoint our ears to hear correctly. Ouvrez nos oreilles pour entendre correctement. Anoint our hearts. Ouvrez notre cœur pour comprendre véritablement. May we become the fruit of your word. Afin que nous soyons les fruits de ta parole. To your praise and to your glory. Pour ta gloire et pour ton honneur. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 This morning. Ce matin, I want to look briefly. Nous allons regarder brièvement at what I titled. À ce que j'ai titré. Divine watering. Divine watering. Ok. L'arrosage divin. Divine, divine. La source divine. Arrosage divine. Arrosage divine. When God created us, lorsque Dieu nous a créés, we have a relationship with him. Nous avions une relation avec lui. By virtue of him being our creator. Parce que en vertu qu'il soit notre créateur. And he created us for a purpose. Et il nous a créé pour un but précis. When man fell, lorsque l'homme a échoué, it was not because he did not care for him. Pas parce qu'il ne prenait pas soin de lui. So he doesn't need to revise his methods. Donc il ne va pas réviser sa méthode. Now in Christ Jesus, maintenant en Christ Jésus, we are recreated. Nous avons été recréés.
But this recreation is actually a new creation. Et cette récréation est évidemment une nouvelle création. Until Christ came. Jusqu'à ce que Christ vienne. There are different levels of creatures. Il y avait différents niveaux de création. Can you remember any level of creation? Any level? Est-ce que vous pouvez me dire certains niveaux de création? I'll measure one level of creation and I will ask you about others. Ok, je vais donner un exemple d'un niveau de création et vous faire part de d'autres. There's the animal creation. Il y a la créature animale. So, what are the other creations? Quelles sont les autres créations que Dieu a faites? Nous avons comme exemple la création animale. Deuxième? La végétation. Ok, vegetation. The forest. The forest. Trees. Yes. Forest creation. Yes. 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 Other fingers. Yeah. Low. Okay. No. Living persons. Okay. Les choses qui vivent, pas les choses qui sont vivantes. Or things that can move. Mais les choses qui bougent. All right, I think we are going to preach a long message because until you find out more creation, we are not moving from here. Ah, c'est comme on va vraiment dire aujourd'hui, hein, parce que si vous ne trouvez pas les autres créations, on ne va pas quitter ici. You have whispered to him. Répondez. What did he say? I will tell you the second one. Apart from animal creation and the creation of that level, there's also human creation, human beings. Okay, il a parlé aussi des créations humaines, c'est-à-dire des êtres humains. À part les animaux et la forêt, il y a la création humaine. All right, pastor, what is the next one? Les anges. Okay, angels. Glory. Yes. Creation celeste. Yes. Son. Ange. Angels. Ange. Yes. Ah? Il est dans le ciel, mais les anges. Okay. Les anges. The angels. All right. If God, we are to create angels. Si Dieu avait à créer les anges, it would be an old creation because he has created them before. Et il serait une vieille créature parce qu'il les avait auparavant déjà créés. God is creating the human persons every day. Dieu est en train de créer les créatures humaines chaque jour. But it's old creation. Mais les vieilles créatures, ma fille vient. Vite. Who created you? Qui t'a créé? C'est Dieu. Hallelujah. Viens. That's correct. Is it not papa and mama? It's God. Put non, c'est pas papa et maman qui doit créer, c'est Dieu. But when God in Christ Jesus recreated us, it was a new creation. Dieu en Christ Jésus nous a recréé,
C'est une nouvelle création. Because there were no creatures like the ones that are new creation. No, he didn't create, no creation was like them. Okay, parce qu'il n'y a pas de créature comme la nouvelle création. And this new creation, et cette nouvelle création, has a name. A un nom. Divine creatures. Une création divine. Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Si tu répondais amen, amen, tu priais. Si tu répondais oui ou bien si. Amen. Si tu réponds par oui ou bien si, alors on sait de quoi tu parles exactement. Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Hallelujah. All right. Then you are a new creation. Ainsi tu es une nouvelle créature. And this new creation, cannot be friends with animals to marry an animal. On ne doit pas évidemment s'allier aux animaux, marier les animaux. Non. Are we to understand that the new creation can abuse itself? Donc on peut comprendre que la nouvelle créature peut abuser d'elle-même. To worship human beings. Et adorer des êtres humains. Comme nous adorons de Dieu, man cannot worship man as we worship God. Puisque nous adorons déjà Dieu, l'homme ne peut pas adorer l'homme. Also, ainsi, we cannot worship angels. On ne doit pas aussi adorer les anges. The realm of angels is so much higher than the realm of humans. Okay, le niveau des anges est plus élevé que le niveau des êtres humains. But we are no more human beings. Mais nous ne sommes plus des êtres humains. We are divine. Nous sommes divins. So we can worship angels. Donc on ne peut plus adorer les anges. So what is the relationship in God's order for angels and divine persons? Okay, donc ainsi, quelle est la relation, quel est l'ordre de Dieu entre les hommes et les anges? Yes. What's the arrangement? Quel est alors l'accord? No, the angels are great. Les anges sont grands et puissants. 10 angels in one day can kill all people in Ivory Coast. Dix ans seront pour Dieu tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. They are full of power. Ils sont remplis de puissance. According to their order. Selon leur ordre. And when people see angels, they feel like worshiping. Et il y a des personnes quand ils voient les anges, ils ont envie d'adorer les anges. But the angels are as higher than human beings,
as divine persons are higher than angels. Ok, donc les anges sont aussi élevés que les hommes, comme les personnes divines sont plus élevées que les hommes terrestres. Comme les hommes, plus que les hommes, pardon. A divine being, une création divine, is much higher, est plus élevé, far above, plus très élevé, principalities, sur les dominations, and the other levels of angels, et d'autres niveaux d'anges. So what is the arrangement? Donc, alors quel est l'accord alors? The angels are God's messengers. Donc les anges sont les messagers de Dieu. They do His will. Ils font sa volonté. He makes the angel to help us. Il a fait les anges pour nous aider. In things that do not pertain to redemption. Ce sont les choses qui ne contribuent pas à la rédemption. All right, so they help us. Ils nous aident. When we travel, lorsque nous voyageons, God makes them to travel with us. Dieu les envoie voyager avec nous. Wherever we are, peu importe le lieu où nous sommes. Angels around about us. But we do not look for them. Mais on ne les voit pas. To greet them. Et pour les saluer. Or to kneel down to worship. Ou bien s'agenouiller pour adorer. If you do it for a real angel, si tu fais ça à un vrai ange, he will run away from you. Il va fuir loin de toi. Because you tell no, worship God only. Glory. So, when he passed to the things of redemption, and si lorsqu'il prend part aux choses de la rédemption, they cannot help us. Il ne peut pas nous aider. Because they have not experienced redemption. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté la rédemption. And God's purpose, et l'objectif de Dieu for redemption, l'objectif de Dieu pour la rédemption, and the processes, et le processus that God takes the divine creature through in order to be perfect. Le processus dans lequel Dieu a mis les créatures divines afin qu'ils soient parfaits. The angels learn from the divine persons. Donc les anges apprennent des personnes divines. Hallelujah. Hallelujah. Glory. So when we are talking like this, the angels here are learned. Les anges sont là. But that's not the subject matter. Ils apprennent. Oh, I didn't listen to you, so I didn't catch you. Amen. Are you surprised? Yes, please. So let's read the statement about this last one. Two things. Jesus, angels, ange, by God, par Dieu, are sent to help us. Sont envoyés pour nous aider. In things that pertain to this life. Les choses qui sont de cette terre. Yeah, you got the sense. It is that pertain to life on earth. Okay, les choses qui contribuent aux choses de la terre, de la vie de la terre. God has sent them messages to send them message to us. Dieu peut leur donner des messages pour nous.
So we read the verse of scripture that teaches that. Donc on lit un verset de la Bible qui nous enseigne cela. But the things that relate to the wisdom of God's eternal plan in Christ Jesus. Donc les choses sont relatives à la sagesse de l'éternel de Dieu en Christ Jésus. Where is your interpreter? Where is your interpreter? Oh, okay. When you speak, everybody hears. Mm-hmm. Otherwise, I'll be speaking in their language now. Okay, so j'allais parler la langue tout à l'heure. I will speak in English, speak in their language. Non, j'allais parler en anglais, parler dans leur langue aussi. All right, so the first verse of scripture. Donc, le premier verset des Écritures après là is to say. Et à propos de dire. How the ages relate to us. Comment est-ce que quelle est la relation des anges et nous? Moi, je ne sais pas. All right. So let's go to Hebrews chapter 1. Allons-y dans Hébreux chapitre 1. We don't worship angels. On n'adore pas les anges. If somebody comes to you and say, I saw an angel, he said this. Ange. You saw angels? Ange. But you see, you're seeing me. I'm divine. Mais tu me, moi, je suis divin, tu me vois. I'm mightier than an angel. Je suis plus chaque qu'un ange. But if he convey a message to you, mais si t'envoie, il te communique un message, then you listen to the message in line with God's word. Tu écoutes le message qui est en te basant sur la parole de Dieu. So we go to Hebrews chapter 1. And we'll be reading verses 13 and 14. On va lire le verset 13 et 14. All right, you read. Brother, okay. Hébreux chapitre 1, le verset 13. Et aucun des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. 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 And concerning this divine creation, concernant cette création divine, God has a purpose for them in the age to come. Dieu a un objectif précis pour eux dans les années, dans les âges à venir. Glory. Gloire. La Gloire. That responsibility, cette responsabilité, in the age to come, cela dépend de Dieu. Is the reason why God takes time to build the divine creation. C'est à cause de cela que Dieu prend le temps de bâtir la créature divine. He has created us. Il nous a créé. He is making us. Il a été nous fabriquer. He has created us. Il nous a créé. He is making us. Il a été de nous fabriquer. Ah. Alléluia. Where are you? Mais où est-ce? Okay, repeat after me. Répétez après moi. God has created us. Dieu nous a créé as divine beings. Where are you? God has created us. Dieu nous a créé. He is now making us. Maintenant, il est en train de nous fabriquer. Maintenant, il est en train de nous fabriquer.
Now the making is a long process. Le processus de régénération est un long processus. But we are created. Mais nous sommes créés. Instantly. Nous avons été créés instant. Glory. Ah. Now if any man be in Christ, is a new creation. Maintenant si quelqu'un en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais après Jésus, qui est comme maître, ça. So he's making us. Donc il a fait de nous régénérer, nous transformer. What is he making us? Mais il nous donne pourquoi? Pour devenir quoi? De quoi qu'il a été au cœur de Dieu? Une façon, voilà. Pour devenir quoi? De quoi que we shall know. Nous devons le savoir. But from the very beginning of our creation, we are divine. Mais depuis la notre création, depuis le commencement de notre création, nous sommes des êtres divins. Just like a child in the womb, comme un bébé dans un enfant dans le sein, is a person. C'est une personne. Hallelujah. Hallelujah.